Mes soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oh, alors je sais pas vous, mais moi pendant ce confinement, ce qui m'a le plus manqué, c'est l'émulation, le partage et la possibilité de travailler avec d'autres sportifs, de rencontrer d'autres athlètes et de faire la connaissance de champions et de leurs méthodes d'entraînement. Donc ce matin, j'ai la chance de vous annoncer que nous partons à la rencontre d'un combattant professionnel de MMA qui évolue, tenez-vous bien, au Cage Warrior, qui n'est autre que la toute première organisation de MMA dans laquelle Conor McGregor a grimpé les échelons avant de basculer dans l'UFC. Et on part pour une grosse séance d'entraînement et de préparation physique avec lui. J'ai nommé Mehdi Ben Lagda et son préparateur physique Zach. C'est parti, davai. On va se prendre un petit pré-workout bulk des familles parce qu'à mon avis, la séance risque d'être électrique. Et qu'il est 10h du mat et que me faire taper sur le museau aussitôt dans la journée, j'ai pas tellement l'habitude, pour être honnête. Et on est là. Oui. À la maison, au garage club. Bon, ils sont où les guerriers? Ils sont pas là. Je suis en avance, comme toujours. Non, c'est faux, je suis jamais en avance. Mais pour ce genre de truc, j'essaye. Bon, le truc vraiment passionnant de cette matinée, c'est qu'on va s'entraîner évidemment avec Mehdi, qui est un combattant professionnel de MMA. C'est-à-dire qu'il est payé et gagne sa vie pour casser la gueule de mecs dans des cages. Donc c'est un sportif de très haut niveau, comme on en a peu en France. Et évidemment, c'est un sport qui se développe. Et vous le savez, avec la dernière et récente légalisation du MMA, c'est probablement un sport qui va se développer encore plus, on l'espère. Mais on va également avoir la chance de s'entraîner avec Zach, son préparateur physique, qui lui est payé et gagne sa vie pour préparer des mecs à casser la gueule d'autres mecs dans des cages. Donc je pense que cette matinée va être riche en enseignements. Le truc vraiment stylé, c'est que en ce moment, il n'y a pas de combat, malheureusement. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça nous fournit un point positif dans tout ce contexte négatif, qui est que ça laisse aux combattants l'opportunité de pouvoir se concentrer sur le travail d'autres qualité physique pendant cette période off. Et je pense que c'est ce qui va être le plus intéressant pour vous et pour moi dans le cadre de cette matinée. Ça va être de voir comment un combattant professionnel se prépare quand il est relativement loin de ses échéances de combat. Là, il n'a pas de combat dans les prochaines semaines. La prochaine fois qu'il va rentrer dans l'arène, ce sera probablement dans plusieurs mois, ce qui veut dire qu'il a pas mal de délais avant d'être en fighting shape et que donc il peut concentrer son travail de préparation physique sur d'autres qualités. Vous le savez très probablement, la différence entre le sport professionnel, c'est-à-dire de sportifs qui sont payés pour performer à des échéances bien précise, et le sport amateur qui consiste simplement à optimiser la composition corporelle des gens, leur niveau de bien-être mais surtout leur forme physique, leur niveau de masse musculaire et leur niveau de masse grasse, bah c'est justement cette notion d'échéance et cette notion de calendrier. Nous, dans notre formation Bison notamment, à part pour les compétiteurs évidemment qui préparent des échéances bien précises pour monter sur scène en bodybuilding, en men's physique, en bikini, etc., ce qu'on fait évidemment dans le cadre de notre formation, le reste pour la démographie générale, le grand public, bah c'est de l'optimisation de composition physique, de fitness, de niveau et de performance athlétique, mais sur le long terme, progressivement, de façon relativement régulière et pas de façon cyclique avec des périodes d'entraînement bien précises et des obligations d'échéance. Ce qui veut dire que quand on est un sportif de loisir, bah on a le loisir de pouvoir se préparer et optimiser ses qualités physiques tout au long de l'année, et quand on fait de la musculation, bah généralement on travaille quasi exclusivement sur la force et sur l'hypertrophie. Là, un combattant professionnel de MMA qui doit maîtriser l'ensemble des qualités physiques virtuellement, pas tout à fait mais quasiment, bah il doit être musclé, il doit être fort, il doit être rapide, il doit être explosif et il doit être endurant. Mais pour optimiser le travail de ses qualités physiques, vous le savez sans doute si vous vous intéressez à la préparation physique de près ou de loin, on peut pas travailler l'ensemble de ses qualités physiques en même temps, pas tout à fait sur les mêmes séances et pas aux mêmes périodes de l'année. Donc là, on va mettre le pied et le doigt sur un moment de la préparation physique professionnelle pour les combattants de MMA qui va être extrêmement intéressant parce que c'est la off-saison. Et donc à mon sens, on va très probablement avoir l'occasion d'assister à un focus sur peut-être pas la vitesse, peut-être pas l'explosivité, peut-être pas l'endurance, mais peut-être ce qui prend le plus de temps et ce à quoi généralement on consacre la hors-saison, c'est-à-dire faire de la force et faire de la masse. Parce que vous le savez, les cuttings pour le MMA, c'est-à-dire les périodes de préparation où on essaye de perdre du poids, d'être au poids de sa catégorie et généralement de perdre de l'eau et aussi de se déshydrater, c'est très éprouvant physiquement et ça permet généralement pas de développer ces qualités physiques que sont la force et la masse musculaire. Donc à mon avis, comme on est à distance des compétitions, ça va être ce sur quoi on va pouvoir se focaliser ce matin avec Mehdi et Zach, et ça va être extrêmement intéressant de voir comment ils s'y prennent.
Donc 11h15 du mat, et voilà ce que ramène à l'entraînement un préparateur physique professionnel de haut niveau. Des chocs à pic et du lait. Génie. Parce qu'on parle de sérieux en nutrition à l'INSEP là, voilà. Bah, c'est... voilà, c'est la jeunesse. La jeunesse, Antoine, tu connais, hein. La jeunesse. Là, là, j'ai exactement 50% de glucides, 70% de, hein, de vent et 30% de carton. Et normalement, avec ça, je suis max. Mehdi Biel, combattant MMA Factory, combattant Cage Warrior et entraîneur de boxe MMA Factory. Ok, Zach, diplômé de l'INSEP, préparateur physique, spécificité MMA, donc je m'occupe de combattants professionnels MMA ou MMA Factory. Bon, vous avez compris le programme, ça va envoyer du pâté, je pense, avec ces deux garçons, se mettre une vraie séance solide de préparation physique. On va peut-être se changer, s'échauffer et mettre un pied dans l'arène pour voir un peu comment tout ça se déroule. C'est parti. Donc là on sort de confinement, donc les athlètes ont été un peu bousculés, ça a perturbé un peu dans la planif. Donc ce qu'on fait c'est quoi? C'est que de toute façon il n'y aura pas de combat avant minimum septembre, octobre, c'est sûr et certain. Okay. Même plus encore pour les gars qui combattent chez nous. Okay. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on en profite pour faire un peu de masse, il y en a pas mal qui en ont besoin. Donc hypertrophie, ça tombe bien. Très bien, ça tombe bien. Donc on va faire, aujourd'hui on va faire un peu d'hypertrophie, on est sur de la PPG. Okay. Ça veut dire qu'on est sur de la prépa physique générale. Là, on n'est pas dans de la prépa physique spécifique. Okay, là, on, par exemple, on va ajouter une spécificité MMA. Là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. D'accord. Comme on peut être sur de la prépa physique intégrée, la PPI, ou pendant, par exemple, ce qu'on peut faire dans la PPI, c'est qu'en même temps de toucher les fontes, on va intégrer aussi des exercices qui sont spécifiques au MMA. Là, on n'est pas sur ça, on est sur de la PPG. Là, il n'y a pas de transfert, c'est simplement l'hypertrophie, la PPG, on fait de la masse. Super. C'est bon? Au top. C'est une série à gros volume, on vient de faire 4 séries sur le coucher en rest pause. On va passer sur de l'incliné, donc la sollicitation au niveau de la chaîne scapulaire et des pecs va être absolument énorme, mais c'est le but de la journée. Et ensuite, on va enchaîner avec du tirage, probablement des tractions lestées, on va voir, mais je pense qu'on va bien dormir ce soir. Top now, that's on me, ayy. The highs with the lows
was lows. That's like these days. World chained up, he on lockdown. Phone call three ways. I just pray that he find God now. It's no replay. On my way up to the top now. That's on me, ayy. Any day could have been dead. High school price on my head. Paranoid lying in my bed. Pray to God they don't turn my shirt cherry. I was lost, didn't know me. Introduced myself to codeine. 6 months was a dope fiend. Philly didn't even know things. There was a low me. Swear to God it was a whole. Bon, on vient de faire de l'incliné avec une tempo méthode, une phase excentrique et une phase concentrique à 4 secondes chacune, avec 10 reps ensuite en tempo explosif. Et là, nous allons passer à du tirage, du travail de la chaîne postérieure, probablement du tirage vertical et du rééquilibrage musculaire, parce que là, on vient de bouffer 7 ou 8 séries, c'est-à-dire quasiment la moitié de mon volume hebdomadaire sur la chaîne antérieure et les mouvements développés horizontaux, donc on est très très bien. À voir ce que vous médiez en tirage, c'est plus fort que moi ou pas. Combien ? 4 kills ? Le mec combat à 70 quand même ? C'est un secret ça ! Pardon, mais là, c'est un gros secret, c'est-à-dire que là tu dévoiles un truc grave, là, t'es même pas au courant. C'est les secrets de boutique du MMA Pro, je peux pas vous les dévoiler dans cette vidéo. Pas maintenant, peut-être dans une prochaine, on verra, mais... Donc là, ce qu'on va demander, on va faire un bicep, traction, tirage, barre verticale, on va passer juste après au TRX. Là, on va juste jouer sur les placements des mains, on va voir ce que ça donne à la barre droite, Antoine, ton coude, tu vois. Mais ce que je demande, c'est juste un tirage propre, linéaire. Voilà. Alors, si on veut mettre l'accent sur les dorsaux, t'apprends rien, Antoine. On ressort la poitrine, on tape 10 reps, et au TRX ici, on tape et on tape. D'accord ? Par contre, ici, il y a une petite surprise. C'est moi qui régale, c'est bon ? Ça marche ? Let's go les gars ! C'est parti ! Chained up, he on lockdown. Phone call three ways. I just pray that he find God now. It's no replay. On my way up to the top now. That's on me, ayy. Yeah, you running off. My hands are tied. You coming back. My hands are tied now. We're making love. My hands are tied. I'm waiting on you, trying to play, but my hands are tied now. You're running off, my hands are tied. You coming back, my hands are tied. We're making love, my hands are tied. I'm waiting on you, trying to give, but my hands are tied now. Tapped out, on the scene. Throw some shakes, we're gonna branch out. On the real, and I got myself a new dummy. Call my guy for more money. And as long as I don't be running, yeah. Things are not gonna get ugly. Yeah. And I promise you that I'ma cash out. Yeah. You know me. Throw some checks, we're getting racks now. On the real, yeah. Roll away like I'm in France now. C'est la vie. Practical like it. Voilà! Hey, voilà! Encore, encore! Bombarde, bombarde! Hey, c'est pas assez, regarde, derrière! Hey, on est bon! Encore! Encore! Yeah. On y est! Ça tourne. Bon voilà mes soldats, une bonne petite séance de préparation physique générale hors saison, donc à distance des compétitions. Pour nous, dans le monde de la musculation et de l'hypertrophie, c'est relativement classique, mais c'était hyper intéressant pour moi et j'espère pour vous de voir comment est-ce qu'on entraîne des combattants pro dans cette période de l'année-là. Si vous avez kiffé la vidéo, dites-le nous en commentaire et éclatez-nous les pouces bleus. Et je pense qu'on aura l'occasion de se recroiser avec Zach, avec le staff de la MMA Factory très probablement, pour faire d'autres vidéos sur la préparation physique des combattants professionnels, peut-être à d'autres périodes de l'année, peut-être dans des temporalités un peu différentes, un peu plus proches des compétitions, avec du travail un petit peu plus spécifique. Je vous mets l'Instagram de Zach juste ici. Allez suivre son travail sur Insta, il fait du super boulot avec ses athlètes, notamment les athlètes pro de la MMA Factory. Et si vous voulez nous voir dans d'autres vidéos sur la préparation physique pour les athlètes pro, pour la boxe ou pour le MMA, dites-le nous en commentaire. C'est un plaisir en tout cas de partager cette séance avec toi, Antoine. Pour moi aussi mon gars. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et comme d'hab, avec le sourire, plus fort et plus fit. Boum ! Nassim BL, commandant au Zboob Factory, commandant Zboob Warrior, appelez-moi quand vous voulez. Backlash written on me, car dropping on a glass bowl. I've been balling, free my ladies in the counter now. I'm already out, already on the countdown. I'ma set it right.